C'est moi ça? Donc, nous l'invitons, il y a des 5 heures, il y en a une qui est télé qui est. Nous l'établissons déjà appelé. Ah, Ousmane, voilà le Non, nom. non, c'est un petit incident de parcours. Je crois que avec le directeur général El Hadj Ndiaye, on s'est bien expliqué. Je tenais à vous présenter nos excuses parce que c'est dans les conditions dans lesquelles on a travaillé hier. Nous avions recueilli un certain nombre d'informations. Moi, je suis rentré du Guinchor vers 22h et immédiatement, notre équipe de veille nous a signalé un certain nombre d'incidents relativement à certains organes de presse. Par rapport à l'importance et le poids des enjeux, c'est des choses qu'on ne pouvait pas laisser passer comme ça. Et on a jugé bon de faire une sortie pour recadrer. Malheureusement, une ligne qu'on présentait, je crois que la DGCIV a été ajoutée un peu à tort par quelqu'un qui peut-être n'a pas bien suivi. Et j'avais dit, bon, avec LH, on s'est bien expliqué, je crois qu'on se comprend très bien. Nous maintenons quand même tous nos propos par rapport aux autres organes. Mais après vérification, il s'est avéré que la DGCIV, comme on l'a toujours connu, restait assez très professionnel en la circonstance. Donc, c'est des incidents qui arrivent, mais ce n'est pas méchant. C'est des enjeux qui étaient extrêmement importants. Ils ne pouvaient pas se permettre de laisser des organes de presse avoir un comportement tendancieux. Et tous les autres que j'ai cités, je maintiens intégralement, entièrement ce que j'ai dit. Et c'est ce que tous les Sénégalais ont constaté d'ailleurs. Mais je tiens à dire qu'après vérification, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas de la DGS. Et j'avais tenu à discuter avec El Hadj. Qui, comme il l'a dit, c'est mon grand, dès qu'il a demandé si télé, il faut que quand il s'agit de dire les choses, on les dit, mais ce n'est pas méchant. Et je crois qu'on s'est très bien compris. Voilà. C'est ça le terme de la démocratie. C'est pourquoi il n'est pas admissible que Mouham, des organes de presse, orienter ou préparer les consciences. Ni Dieu ne nous a au premier tour. Ça, ce n'est pas le rôle des organes de presse. C'est ça qui a amené notre sortie hier. Et je le réitère, je considère que peut-être avec la DGCIV, les informations que j'avais n'étaient pas ça. Mais pour tout le reste, je maintiens ce que j'ai dit catégoriquement, parce que ce n'est pas le rôle des organes de presse. Organes de presse, de pouvoir être équidistant et surtout respecter la loi. Et aujourd'hui, CNRA Guénena, le président de la Cour d'appel Guénena, l'Union des magistrats Guénena, du tiers organe de presse. RTS, qui est l'organe national, nous avons fait des impôts, nous avons fait des Abdelah John, où Guénena a des résultats unilatéralement pour déclarer un vainqueur. C'est une faute grave et c'est une violation flagrante du code électoral. Pour que nous parce que nous avons fait des impôts avant minuit, nous avons fait des impôts. C'est ce que nous avons fait. Kon maa ngi réitéré li ma wax par rapport ak directeur PDG seen groupe bi di El Hadj Ndiaye. Comme ni nga ko waxee, sama goro la, sama xarit la, sama voisin la, amuñu benn problème. Yàgg nañu liggéey en bonne entente. Je crois que DGCIV moom la ëpp lu ma mësa def émission depuis que j' ai commencé en politique ba léegi. Ça je le dis haut et fort. Et donc s'il y avait une chance de consommation du ma ko dugg, yooyu day am de temps en temps, mais ce n' est pas quelque chose de méchant. Et vraiment, je vous remercie de ce que vous avez dit. Nous sommes Ousmane.